Hey! Salut tout le monde! Bienvenue! Vous vous êtes bien amusé pendant cette semaine? Il est temps désormais de voir comment j'ai réalisé cette pièce. Naturellement, rien de très compliqué, mais c'est toujours intéressant de voir comment chacun s'y prend. Donc, vous en doutez, j'ai commencé par créer un cube auquel j'ai donné. Ici c'est 30 mm de large, 40 mm de long et 40 mm de haut. À la suite de quoi, hop, copie-colle, je vais en faire un autre, lui donner 20 et 20. Alors, les découpes ici n'ont pas vraiment d'ordre, on peut les faire dans le sens dans lequel on le souhaite. Donc, je vais déplacer ce cube à la bonne position, c'est-à-dire ici, à 20 mm au-dessus de l'origine. Et histoire de corser un petit peu plus le bazar, je vais même aller encore plus loin. C'est-à-dire que je vais en fait carrément y aller à l'aveugle, repartir à chaque fois de la même base. Et juste à partir de ce que je vois et de ce que je positionne, je vais ensuite faire une grosse fusion et tout découper d'un coup. Ça a l'air fou, hein. Il est cinglé, votre Clément. Mais c'est pour ça que vous l'aimez. Donc ici, du coup, ça va être 15. 15. Non, ici c'est 10. On va laisser 10. Hop. Hein? Ah bah oui. J'ai mis 5 mm de trop forcément. Voilà. Hop. Alors, touche majuscule, c'est-à-dire la flèche vers le haut sur votre gauche ou sur votre droite de votre clavier. Et la flèche en diagonale vers le coin supérieur gauche pour saisir le début. Retour arrière. Et là, je fais des petites montées de 5 mm en 5 mm. Voici. Hop. Je colle une dernière fois la pièce. Donc ici, c'est là que je vais être à 10. Et à la rigueur, tant qu'à y être, autant partir dans les formes farfelues jusqu'au bout. Voilà. Hop, c'est pas le bon truc. Et là, en fait, il manque 2 mm. Donc, comment faire? Tout simplement, appuyer. Et voilà, on est bon. Et là, on avance d'autant qu'on veut. Voilà. Ceci fait, je masque ça. Je vais faire ma saisie du cube 1 jusqu'au cube 5. Voilà. Fusionner tout ça. La matière que je retiens, la matière que j'enlève. On taille. Et on achève donc
avec une mise en miroir, donc une symétrie sur le plan XZ. En sélectionnant la pièce, si on ne la sélectionne pas là, on peut la sélectionner ici, ça marche aussi. Et vous voyez que ça nous met bien la même chose. Et on valide. Ah, on va devoir le modifier. Donc on va le défaire. On recommence. Pourtant, plan XZ, ça n'a pas dû changer de plan. Voilà, ça n'a tout simplement pas changé de plan. Donc vous voyez, on est bien sur une pièce identique. Mais je vais vous en apprendre une belle. C'est que maintenant, ça et ça, je vais les fusionner. Comme ça, ça me fait un seul corps. Mais voici ce qui se passe lorsque j'exporte ce corps. Donc je vais lui donner ce nom-là. Hop. Voilà. Comme ça, ça permet d'avoir une trace. Maintenant, je vais ouvrir ce que je viens d'exporter. Attendre que ça apparaisse. Voici. Et regardez ce qui se passe si je me mets en représentation filaire ombrée. On voit la ligne de symétrie. Et c'est pourquoi j'ai dû travailler pour faire en sorte que vous n'ayez pas cet indice sur ma façon d'opérer. Alors, comment je m'y suis pris du coup? Eh bien, assez simplement en fait. J'ai tout bêtement utilisé l'utilitaire de création de forme, cocher toutes les faces, c'est-à-dire que j'appuie ici, ici, ici ou là, ça me les sélectionne toutes. Donc je valide. Maintenant, ça je le masque, comme ça j'ai ma coque, je fais un solide à partir d'une coque, voilà, je génère. Hop, et maintenant, regardez ce qui se passe quand je vais exporter ça. Je vais l'appeler donc, hop, exercice 1-1-2, que je vais maintenant l'ouvrir avec CTRL O, attendre qu'il apparaisse, voilà. Et bien quand je vais le mettre en représentation filaire ombré, on n'a plus la ligne de symétrie comme on avait ici, alors que c'est exactement la même pièce. C'est la même pièce partout. Voilà qui conclut donc la correction de notre exercice. J'espère que ça vous a amusé, que vous allez m'en redemander, plus complexe, plus technique, avec un petit peu plus de défis. Soyez libre de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et par conséquent, il est possible que d'ici là, entre-temps, parce que bien entendu je ne voyage pas dans le futur, nous sommes toujours le dimanche 7 mars à la date à laquelle je tourne cette vidéo, il est possible que je prépare donc le Curiosité Mécanique et que j'ai un peu changé tout en restant dans le même domicile, dans le même bâtiment, de lieu de tournage. Donc normalement je devrais avoir moins de problèmes de son, moins de problèmes de bruit environnant. L'avenir nous le dira. En attendant, moi j'espère que j'aurai réussi à continuer à susciter votre intérêt durant ces 2 semaines. Et je vous dis, je l'espère,
on se revoit au printemps. Portez-vous bien. Continuez à partager, discuter, commenter, liker. Vous savez quoi faire. Vous ferez ce que bon vous semblera. Portez-vous bien. À la prochaine. Encore là ? Et vous avec ? 201 abonnés, 15 abonnés qui tombent d'un coup comme ça du ciel cette nuit. Vous êtes fantastique. Vous êtes vraiment des personnes géniales. Je veux dire, j'ai pas publié de travail depuis bientôt 2 semaines. J'ai été en retard sur la dernière publication que je fais actuellement samedi. Là, chaque semaine à côté de lundi, il y aura un exercice hebdomadaire qui va sortir à midi. Donc tout va être en première, tout va être monté dans la foulée. Jusqu'au lundi 26 avril, date à laquelle il y aura le 7e et dernier exercice, qui sera le plus long. Le tout pour faire une correction massive de l'ensemble, une grosse correction donc, le samedi 1er mai. Dans le meilleur des cas en live, dans le pire des cas en grosse vidéo également. Évidemment, avec un chapitrage comme pour les tutoriels. Hein, parce que j'ai pas envie que vous ayez à tout vous taper, vous communiquiez les timings dans les commentaires, comme moi je peux le faire. C'est quand même partie des choses qui font que vous êtes aussi nombreux et vous allez certainement encore faire grossir le bazar, ce qui serait génial. Et honnêtement, quand je vois paradoxalement le peu d'intérêt apparent en tout cas vis-à-vis de l'impression 3D, je me dis, waouh, soit les mecs n'ont pas su vendre tout ce qu'on pouvait faire avec et tout ce qu'on avait un petit peu à apprendre autour, soit vous n'imaginiez pas qu'il était possible de faire autant de choses avant d'avoir découvert ce que je faisais moi. Dans tous les cas, ça reste une excellente surprise, vraiment. C'est quelque chose de très gratifiant pour moi, je veux dire. En dehors de cette chaîne, on ne me connaît pas plus que ça. Alors, ceci étant communiqué, je vais donc vous laisser profiter à fond de votre logiciel. Soyez libre d'inciter encore à s'abonner à mon travail. On n'est pas assez nombreux, il en faut plus, toujours plus. Soyez également libre de commenter, partager, liker, me dire ce que j'aurais pu éventuellement améliorer, ce que j'aurais pu aborder. Soyez libre de tout me dire. Je ferai en conséquence. Moi d'ici là, je vous souhaite, d'explorer à fond votre logiciel. Portez-vous bien. À la prochaine. Et d'ici là, retrouvez-moi chaque lundi midi à compter de lundi à venir. Donc lundi 22 mars. Passez un bon week-end.